Bien, vous voilà. Ce n'est pas la première fois que Son Altesse a maille à partir avec la Compagnie des Indes. Il y a quelques années, elle a emprisonné sa mère et intercepté les lettres qu'il lui envoyait. Je ne serais pas surpris que ces malfrats bloquent de nouveau toute cette correspondance. Je me suis procuré les horaires du courrier. Il y a deux modes de transport distincts. Le premier est un convoi de fourgons postaux. Le second, un train. Vous devriez pouvoir vous emparer de ces lettres en montant en embuscade. S'il le voit, il changera peut-être d'avis. Commencez par le convoi. Nous devons bloquer la route. Postal ne va plus tarder. Cherchez des alliés dans cette ville. Je vais garder les lieux. La dynamite est en place près du lieu d'embuscade du convoi. À vos ordres. J'ai un travail à te confier. Il reste plus de mort. Que se passe-t-il en ville? Pour les riches, comme s'ils n'avaient pas assez à manger. Les dernières nouvelles. Très bien. Le convoi fait route dans notre direction. Restez avec Henry. Entendu. D'accord. Compris. J'irai danser sur ta tombe. Favinska! Tu fais moins le fier à bras, hein, sale vermine. Je les ai. Je dois préparer l'autre embuscade. Doucement.
besoin d'un coup de main. J'aurais besoin d'aide. Devrait être à bord. Entendu. Compris. Quoi, t'arrêtes ? Si on ne livre pas ça à temps, le chef sera furieux. Ne la laissez pas partir ! Service, Evie. Je l'ai dans ma ligne de mire. Henry avait raison. Je vais lui montrer ce que j'ai trouvé. Il existe une différence entre pacifisme et inaction. Combien de fois devrais-je vous répéter ? Vous arrivez vraiment à point nommé. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Ces lettres devraient vous intéresser, Votre Altesse. Ces lettres, elles sont de moi. Le sceau en a été brisé. Nous les avons trouvées dans cet état. C'est une lettre que j'ai écrite à ma mère quand je n'étais qu'un enfant. Où avez-vous trouvé ces courriers personnels ? Dans un convoi postal. Les Templiers, des gens fort indiscrets. Je croyais ceci réglé depuis des années. Mais la Compagnie des Indes continue de me dérober mes affaires ! Vous aviez raison, quelque chose se trame dans mon dos. Nous devons agir. Mais nous ne pourrons le faire qu'avec votre aide. Vous voyez juste. Mais je dois prendre le temps d'y réfléchir. En attendant, montrez-vous discret. Je ne voudrais pas que Sa Majesté la prenne.